Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du journal de 8 Mont-Blanc. Nous sommes le mercredi 13 février 2019. Voici les titres. Le pic saisonnier d'épidémie de grippe sature les centres hospitaliers. C'est le cas à Contamine-sur-Arve, au centre hospitalier Alpes-Léman, où la capacité d'accueil a été dépassée. Une situation pourtant habituelle pour la structure. Et une rencontre dans ce journal avec des grainetiers de Savoie. La famille Grelin est spécialisée dans la vente de graines depuis les années 60. Un savoir-faire familial que deux jeunes frères font perdurer avec leur entreprise. Et on commence ce journal avec des chiffres effarants sur les cambriolages. C'est une série de cambriolages qui fait trembler le bassin annécien. 25 maisons ont été touchées en 3 jours à Annecy. Les statistiques font pourtant état d'un recul de 17% des vols par effraction depuis 2017. Un record historique annoncé le 7 février dernier. Fin 2018, plusieurs cambrioleurs chevronnés ont été arrêtés, ce qui laisse à penser qu'une nouvelle équipe de voleurs sévit. 6 cambriolages ont eu lieu samedi, 5 dimanche et 14 entre lundi et mardi. Les maisons touchées se situent sur 2 grands axes, entre Seynaud, Rumilly et Saint-Félix, ainsi qu'à Annecy-le-Vieux et Saint-Martin-de-Bellevue. La gendarmerie appelle les habitants à la plus grande vigilance. On le disait en titre, l'épidémie de grippe touche de plein fouet les hôpitaux. Comme chaque année, les urgences des hôpitaux savoyards font face à un afflux conséquent de personnes présentant des symptômes grippaux, ce qui entraîne le dépassement de la capacité d'accueil des structures. Au centre hospitalier Alpes-Léman à Contamine-sur-Arve, la gestion de cette situation a depuis longtemps été anticipée, mais elle reste préoccupante. Entre 180 et 200 personnes se présentent tous les jours aux urgences. Le plan blanc a donc été déclenché dans l'établissement. Reportage de Jean-Paul Crespi. L'épidémie de grippe et son pic saisonnier saturent les urgences. Et pour certains patients présentant des symptômes grippaux, les urgences de l'hôpital sont le dernier recours. Actuellement, les urgences du Châle doivent absorber entre 180 et 200 passages quotidiens, parmi lesquels des cas de grippe qui auraient pu être traités ailleurs, dépassant ainsi leur capacité d'accueil. Faute de médecins généralistes, l'hôpital et ses urgences renforcent sur cette saison les services pour éviter les engorgements et les temps d'attente. Face à cette situation, l'hôpital a ouvert 13 lits supplémentaires. À ce jour, 105 patients ont été hospitalisés en raison de la forme sévère de la grippe. Il manque de médecins généralistes, il manque d'activité de médecine libérale en amont de notre service d'urgence. Et à partir de là, les gens n'ont plus que nous comme recours pour pouvoir être soignés. C'est là la problématique. Et être soignés assez rapidement, c'est ce que les gens veulent aussi. À l'heure actuelle. À l'hôpital, le diagnostic viral doit impérativement être démontré pour une prise en charge efficace. 672 tests rapides en provenance des urgences ont déjà été traités par son laboratoire. Nous, on tire la sonnette d'alarme. Au niveau du laboratoire, on tire la sonnette d'alarme. Du moment qu'on commence à avoir des positifs, l'augmentation se fait sentir au niveau des urgences et les urgences prennent les décisions pour pouvoir ouvrir le plan blanc comme se fait au Châle. Par définition, les patients hospitalisés sont relativement graves et que la grippe, effectivement, c'est surtout la question du volume de la charge de travail plutôt que la gravité en soi-même de la maladie. Donc on sait que c'est une période très très difficile et qu'on va être amené à essayer d'optimiser les durées de séjour pour essayer de répondre à la crise. La grippe n'a rien d'anodin. Aux urgences, les patients vulnérables âgés et les jeunes enfants présentant des problèmes respiratoires sont admis en priorité. Alors que le point culminant de la saison grippale est en passe d'être franchi, chacun d'entre nous est appelé à adopter une attitude responsable si de simples symptômes grippaux font leur apparition. Et j'ajoute que des gestes simples peuvent vous éviter de tomber malade. Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour, éternuez dans votre coude, aérez votre logement et évitez bien sûr le contact avec des personnes malades. Des poubelles s'accumulent dans l'agglomération chambérienne. Depuis ce lundi, les agents de collecte des déchets du Grand Chambéry sont en grève. Un mouvement mené par la CGT. Au cœur des revendications, la reconnaissance de la pénibilité du travail, la revalorisation des salaires sous forme de primes et la semaine de 32 heures. La grève est suivie à 100% par les 60 agents de la ville. Une réunion est organisée ce soir entre les Reapers et Grand Chambéry. Ils décideront s'ils maintiennent la grève. Rencontre maintenant avec deux frères spécialisés dans les graines.
Depuis les années 60, la famille Grelin est spécialisée dans la vente de graines, des semences de souches anciennes, originales ou rares. Il y a quelques mois, l'entreprise a dû mettre la clé sous la porte. Aujourd'hui, les deux jeunes frères Grelin ont créé leur propre entreprise pour faire perdurer le savoir-faire familial et ancestral. Leur atelier est installé dans la maison familiale d'Arbin, près de Montmélian, en Savoie. Rencontre signée Victoria Lopez. Cosse violette, blanc de juillet, vespéral, la cave des frères Grelin regorge de variétés de graines originales, anciennes ou rares. Des semences qu'ils ont appris à dénicher et à aimer au fil des années. Leur savoir-faire leur vient de loin, il se transmet de génération en génération depuis le milieu du siècle dernier. En novembre 2018, l'entreprise Grelin déposait le bilan. Soucieux de ne pas voir ce savoir-faire s'éteindre, Simon et Thibaut Grelin commencent leur propre aventure. Et c'était pour nous insensé que ça s'arrête là maintenant. Les clients de nos parents nous ont poussés à le faire, parce qu'ils ne voulaient pas voir perdre ce patrimoine et ce savoir-faire. Donc c'est vrai que pour nous c'était une évidence et ça a été très très vite. Alors évidemment, comme tous les jeunes de nos âges, on n'avait pas d'argent pour démarrer, donc on a fait appel à des plateformes de crowdfunding, de financement participatif. Et ça a très très bien marché, on a été très bien soutenus, les gens étaient sensibles à la cause et donc ça s'est très rapidement monté et donc on en est là aujourd'hui, hein. C'est reparti quoi. À 26 ans, les deux frères deviennent donc officiellement grainetiers. Ils dénichent des semences rares à travers l'Europe, ils réalisent l'ensachage ici, au rez-de-chaussée de la maison familiale. La production est artisanale, l'impression des sachets est réalisée au moyen de cette ancienne imprimante Heidelberg. L'ensachage se fait lui à la main avant l'étape du collage, là aussi à l'aide d'une machine héritée de l'histoire familiale. Une histoire que font perdurer les deux frères. En 1964, André Grelin, leur arrière-grand-père, inventait la grelinette. Il dépose un brevet et remporte le concours Lépine pour cet outil, aujourd'hui encore utilisé par de nombreux jardiniers. Moi, ce que je fais, c'est que je me mets toujours légèrement en avant, comme ça, de façon à que les dents soient bien droites quand elles pénètrent le sol. Donc là, on va enfoncer l'outil jusqu'à la traverse. La famille Grelin a aussi été précurseur en France dans le domaine de la biodynamie. Une façon de travailler le sol en harmonie avec les micro-organismes qui l'habitent. Nous, on privilégie la diversité, donc. On fait très peu de quantité par variété, mais beaucoup de variétés. Donc c'est pour ça qu'on laisse un peu en friche autour de la pépinière pour attirer un maximum de faune. Donc voilà, on laisse les ronces pousser comme derrière moi, là. Les arbres aussi, évidemment. Dès la fin février, Simon et Thibaut vont débuter leur saison des marchés et des foires. Un pari sur l'avenir pour ces deux frères et une façon de rendre hommage à leurs ancêtres. Près de 1400 établissements et services d'aide par le travail, aussi appelés ESAT, existent en France, selon Handicat, l'Association nationale des directeurs d'ESAT. Dans la commune d'Entremont-le-Vieux, en Savoie, 35 ouvriers handicapés travaillent sur 4 activités, production laitière, fromagerie, auberge et travaux de débroussaillage. En moyenne, les travailleurs restent 8 ans dans cette structure. Juliette Vincent-Seigné les a suivis à la ferme. Reportage. Derrière les murs de cette ferme, les ouvriers s'affairent depuis ce matin 7 heures. Traite des vaches, paillage, nourriture des bêtes, une vie comme une autre à la ferme. Mais avec une seule différence, ici nous sommes dans un ESAT, un établissement et service d'aide par le travail, une structure réservée aux personnes en situation de handicap. L'objectif premier avec le public que l'on accueille, c'est que les gens retrouvent une identité professionnelle, une estime d'eux-mêmes, confiance en eux et réacquièrent des compétences professionnelles en vue soit de rester ici pour certains, soit de se réinsérer dans le monde ordinaire du travail pour d'autres. 8 ouvriers travaillent dans cette structure. Chacun trouve sa place progressivement. Ils sont encadrés par 2 moniteurs présents pour guider leurs gestes, les former mais aussi les accompagner. La base, c'est de l'écoute et de la patience et de l'observation. Pas avoir d'idées trop préconçues, c'est s'adapter au quotidien, s'adapter. Et déjà connaître son travail, être serein dans sa pratique professionnelle pour pouvoir la transmettre. Un travail de bienfaisance pour tenter de leur redonner confiance. En accomplissant leur mission, c'est pour les ouvriers un petit succès au quotidien. Je suis bien encadré, je suis heureux de vivre, quoi. Chose que j'ai pas toujours été heureux de vivre, quoi.
Là, je suis heureux, quoi. Le matin, je me lève avec le sourire. Je suis content de venir travailler, quoi. Sentiment partagé pour Paul. Il y a des années, l'homme tenait une ferme, mais la maladie lui a fait fermer son exploitation. Grâce à l'ESAT, aujourd'hui, Paul réapprend son métier et trouve du réconfort avec les animaux. Ben, moi, je suis autour des vaches. C'est mon domaine. Si je ne me mets pas dans les vaches, moi, je suis malheureux. Quand je suis en vacances, l'été, ça va, mais je pense tout le temps aux bêtes ici. Les Gigi, elles me passent devant les yeux. Même quand je suis en vacances, je pense au troupeau. Petit à petit, les ouvriers progressent et gagnent en autonomie. Chaque jour, c'est un pas de plus vers l'intégration. C'est la fin de ce journal. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle édition sur 8 Mont-Blanc. Manu, je te laisse conclure. D'ici là, passez une très très belle soirée.